Bonsoir. Ok. Je vais adresser quelques personnes parce que je sais que le découragement est en train de frapper à votre porte. Ok? Vous avez commencé à m'écouter et vous avez l'impression que vous devenez même fou. Oui. Bonsoir. Vous devez, dans l'adversité, au lieu de vous recroqueviller et regarder en arrière, comment est-ce que je peux baisser mon loyer? Comment est-ce que je peux faire ceci plus petit? Comment est-ce que je peux dépenser moins? Comment est-ce que... Multipliez vos idées par 100. Dites-vous plutôt, comment est-ce que je peux faire pour ouvrir trois autres magasins? Actuellement, je vends à la maison. Les clients sont en train de fuir. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir d'ici 2 mois, 5 magasins? Parce que votre percée se trouve dans la façon dont vous pensez quand vous avez de l'adversité. Je vais dire à nouveau. Votre percée se trouve dans la façon dont vous pensez quand vous faites face à l'adversité. Et ça va venir, ne vous inquiétez pas. Les riches ont les problèmes, les pauvres ont les problèmes. Ce qui les différencie, ceux que vous voyez, ils ont les maisons, de vous, c'est que quand ils ont le problème, leur bouche n'ouvre même pas la bouche pour dire, ne s'ouvre pas pour dire, oh, ma tête pèse, oh, ça ne marche pas, oh, regardez comment on m'opprime dans la maison aussi, oh, regardez comment, non. Ça ne vous est pas encore arrivé d'avoir des gens, vous êtes à côté d'eux, leur mental est toujours fort. Tu fais n'importe comment. Vous êtes devant un problème. Hein? Donc, on peut dire la police vient vous arrêter. Vous êtes au poste de police, vous attendez qu'on vous enferme. La personne te dit, ok, tu vois, je vais acheter la marchandise là-bas, je vais faire comment tu... Attends un peu. Tu ne vois pas qu'on est en prison là? Tu ne vois pas qu'on est en train de partir nous mettre en prison? Il dit, ah, ça c'est rien, je vais sortir demain. Ok, quand je vais sortir, je vais partir, je vais acheter la marchandise. Tu vois, non, je pensais même qu'il fallait même que j'ouvre la sécurité là-bas. Sa bouche ne parle pas ce qu'il voit. Parfois, vous croyez que quand les gens ont pitié de vous, oh, vraiment, je suis veuve depuis 10 ans. Mon mari m'a laissé. Vraiment, vraiment, ça ne va pas. Tu crois que quand on va pitié de toi, ça va faire quoi? Ouais, patience, c'est. Ouais, c'est pour ça que les demandes de prière, là, je n'aime pas trop. Priez pour moi. Vraiment, je n'ai même pas de quoi manger. Vraiment, intercédez pour moi. Je sais qu'un jour ça va aller. Mais vraiment, Dieu est fidèle. Personne ne m'a aidé, mais Dieu est fidèle. Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi de la pitié des gens? Qu'on dit ouais, écoutez. Je n'aime pas le mot ouais. Sérieusement, je n'aime pas le dictionnaire. Donc tu as traversé tout ça, ma fille. Ouais, ça va aller. Un jour. Un jour. Un jour, tu seras. Quitte avec ça. Quitte avec ça. Quitte avec ça. J'ai rencontré un jour Cabrel. Nandibla, qui le connaît parmi vous? Vous savez que Douala, c'est le carrefour de tout le monde. Je le rencontre, je vais vers lui. Je lui parle. Il me dit, voilà,
mon fils était mort, ça fait quelques semaines là, oui. Je fais un peu, ouais, mes condoléances. Il n'a même pas dit merci. Il dit, ouais, ok, mais tu sais, moi j'ai encore notre enfant là, vraiment. Tu sais, je vois les grandes boîtes me contactent déjà. Je vais monétiser l'image de mon fils. Je vais. Même l'espace. J'ai dit que j'ai voulu faire, ouais, mes condoléances. Écoutez, il a brossé mes condoléances, il est passé sur ça. Vous avez trop la pitié des gens. Vous êtes là où vous êtes. N'ayez pas pitié de moi. Même quand vous voyez m'insulter, n'insultez pas les gens là. Je sais me défendre. Ne vous inquiétez pas. On a pitié de toi, patron, on te donne 10 000. Non. Vous n'avez pas à remarquer. Vous n'avez pas à remarquer que quand quelqu'un a l'argent, on va encore lui donner. C'est pour ça que les gars ne vous donnent pas l'argent. Tu sais, là, tu viens toujours lui parler de tes problèmes. Ouais, il me faut même 5 000 pour payer mon loyer. Il dit, ah bon. Ah, il écoute. En partant, il a mangé ta nourriture. Ma chérie. Il a mangé ta nourriture. Il t'a fait l'amour. Il t'a pas laissé 50 sur la table. Il est parti. Ta mentalité. Les gens ne me donnent même rien. Hein? Ils ne me donnent rien. En tout cas, moi, je suis ce mal-là. Pardon. Ne me suivez pas, vous êtes des mendiantes. Ne me suivez pas, vous êtes les mendiantes. On va appeler ça arrogance. Ils vont dire ce qu'ils veulent. Ils vont appeler ça arrogance, orgueil. On s'en fout. C'est quoi que je ne veux pas avoir. Même l'homme. Vous supprimez souvent les hommes. Pourquoi? Vous supprimez souvent les hommes. Pourquoi? Parce qu'il va venir te faire l'amour. Ma chérie, quand tu as l'argent... Même l'amour là, tu peux payer, tu peux pas faire. Quoi d'autre? Tu veux quelqu'un qui va venir remplir ton lit? Ils sont pleins là-bas dehors. Hommes comme femmes. Et c'est que les hommes se plaignent. Quelqu'un m'écrit l'autre jour, il dit, wow, est-ce que tu consultes aussi les hommes? Je travaille avec les hommes et les femmes. C'est moi que ma bouche est trop sucrée pour parler aux femmes. Parce que les femmes sont bêtes. On vous parle, vous ne comprenez pas. Si on parle comme ça 50 fois par jour. Tiens, pas pour ça là. Je vous ai tout dit que pleurer là, c'est bien quand tu pleures dans la Cayenne, dans la Mercedes. Au lieu que tu pleures, même le taxi, tu pleures sur la moto. Vous parlez même de quoi? Tu pleures sur la moto, tu donnes à la maison de quelqu'un, sur le canapé. J'ai fini avec vous. Écoutez, j'ai fini avec vous. Sortez de votre esprit de pitié là. Ouais, tu n'as pas les enfants. Pauvre de toi. Ne vous inquiétez pas. Dites-leur que votre reine va bientôt faire. Je vais faire le centre d'insémination artificielle. On va recueillir les spermes là. Ma chérie, même à 55 ans. Tu viens là. On fait ton lavage. On te nettoie. On débouche tes trompes. On prend l'enfant, on met dans ton ventre. On met dans ton ventre. Ouais, il n'a pas l'enfant. Oh, désolé. Ouais. Une femme m'a contacté une fois. Je la vois sur la photo, elle a deux enfants blancs. Elle est noire. Elle me dit, non, mon mari et moi, on n'a pas pu avoir l'enfant. Je suis partie chercher les mères donneuses. On a pris le sperme de mon mari. On est parti mettre dans le ventre d'une blanche, une polonaise là-bas. Je ne sais pas trop dans quel pays. On a deux enfants blancs. Ce sont les enfants de mon mari, non? Oui, moi je suis la mère, non? Oui. On a payé une mère à porter. Vous allez même payer les femmes, on va porter vos enfants. Tout aspect de votre vie qu'on se moque de vous avec là. Tu peux doter même l'homme là. On dit que dote. Tu dis, chérie, j'ai mis la dans ton corps, je vais me doter avec. Oui, Anatole, c'est comme ça. Quand il commence à parler, il commence à parler. On a trop, on dit que... On a trop donné le sentiment d'impuissance. Ouais, tu ne peux rien faire. Attends, si un homme a pitié de toi, il vient aussi te doute, il te doute. Si un homme a pitié de toi, il vient aussi te mettre l'enfant. À
Après, tu cours derrière lui pour qu'il s'occupe de l'enfant. Hey, baby boy. Man, I can take care by myself. Arrêtons aussi, non. Quand vous m'appelez, ne vous décrivez plus n'importe comment à moi. Tu sais, je n'ai pas l'argent. On m'a abandonné avec 3 enfants. Non! Je suis une femme vaillante. J'ai élevé 3 enfants. Le premier sur le point d'être magistrat. La deuxième, elle est commerciale à je ne sais pas où là-bas, à Dubaï. Écoutez, quand quelqu'un connaît qu'il ne te tient pas avec quelque chose, il se comporte différemment. Tu manges, tu ne peux pas pour lui. Tu laves ses habits, tu fais tout. Ouais, Anatole, c'est comment non? Si il fait le direct, je le mets de parler, il ne va pas parler. Je vais souvent le mettre à côté de moi, je l'attache à côté de moi, il bavarde plus. Décrivez-vous différemment. Parce qu'il y a un fait qui est là, ta situation est là. C'est là. Tu vas faire comment? C'est là, non? C'est là, non? Voilà. Maintenant que toi et moi, on sait que c'est là, qu'est-ce que tu fais? La Bible dit dans Hébreux chapitre 11. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont. La foi, c'est la ferme assurance. Je disais encore ça ce matin. Hébreux 11. La foi. La foi, c'est la confiance en ce en quoi j'espère. Confidence in what we hope for. And assurance about what we do not see. Je ne vois pas, j'espère, mais j'ai confiance. J'ai confiance. Réveillez-moi à minuit, je vous dis. Par la foi, on comprend que l'univers a été formé au commandement de Dieu. Et maintenant, vous êtes Dieu. Écrivez cela que je suis le Dieu de ma vie. So that what is seen was made out of what is not visible. Ce que tu vois a été fait par ce qu'on ne voit pas. Écoute, hein, personnellement, hein, quand un homme vient dans ma vie, il lui dit que, écoute monsieur, même ma propre nourriture, ce n'est pas moi qui prépare. Parce qu'il n'aime pas moi faire les petits travaux là. Il n'aime pas. Comme tu veux, il ouais, je veux que ce soit ma femme qui prépare ma nourriture. Que babe, excusez-moi. Si j'ai l'argent, il peut payer 1000 euros le mois. Un chef vient chaque jour. 2 heures de temps. Ça, c'est la version NIV. Nouvelle New International Version. Si elle peut payer un cuisinier pour qu'il vienne se mettre là, 2 heures de la journée, il ne peut pas. Que madame, voilà pour le matin, madame, voilà pour midi, il part. Tu vas venir dans ma vie, tu vas m'imposer. Jesus is Lord. Pourquoi? Je dis que papa, même mes habits, il n'a pas. Mes soutiens là, ce n'est pas moi qui lave. Écoutez, qu'on ne vous frustre plus. Qu'on ne vous frustre plus. Tu as lavé les caleçons, les bermudas là. Il t'a épousé. Tu as lavé, non? Il t'a épousé. Arrêtez de faire les choses parce que vous calculez indirectement les choses. Tu calcules comme ça. Tu calcules. Lui-même, il guette comme ça, il dit, j'avais besoin d'une bonne. C'est bien comme tu veux, mais c'est comme ma bonne devait faire. Tu le guettes, il te guette. Tu es là, on s'est élan, élan. Élevez vos pensées, s'il vous plaît. Élevez. Élevez les choses. Tu ranges. Écoutez, on a tous les choses au Cameroun. On a tout ça ici. Tout. Moi, je n'aime pas faire les travaux. Je le connais, je le sais. Quand tu arrives et te dis que papa, si je connais, que dans, tu vas faire comme ça pour me dire que wow, c'est toi qui dois laver mon... On dit dans mon bateau que Lucot. Lucot.
Le volume est bon. Il y a certains parmi vous que quand ils te rencontrent, ils disent, oh, elle prie beaucoup. Elle est pieuse. Je vais aller boire mes bières. Vous n'avez pas remarqué que vous avez la peine à faire que les hommes arrêtent certaines choses? Vous voyez, c'est que ma femme prie, elle prie. Comme elle prie là, elle ne peut pas me tromper. Comme elle prie là, elle ne peut pas. Il y a certaines choses, c'est pour ça qu'il vous cherche. Quand il appelle, il me dit qu'elle est en train de jeûner. Il me dit qu'elle est en train de jeûner. Écoute mon père, je suis dans ma voiture, en train de sur l'autoroute, en train de partir à une conférence. De toute façon, ça, son cœur est un peu tremblé. Que, hey, hôtel 5 étoiles. Jesus. Soulevez vos standards, s'il vous plaît. Soulevez vos standards. Tout se passe ici. On vous a fait, vous êtes baissé. Tu t'es même couché pour qu'on marche sur toi. Malgré ça, on t'a rien donné. Et il y a les choses que vous savez que vous aimez. Alors moi, je me suis dit que, gars, il y a les choses que j'aime. Hier, vous avez parlé des Ferrero Rocher, du caviar, des bateaux mouches, de la tour Eiffel. Tu vois que tu as envie de ça dans ton cœur? Que, wow, tu aimes trop, wow. Quand ta tête veut faire que tu te baisses un peu là, tu te rabaisses. Que, ouais, il faut que je prenne aussi, j'accepte aussi le chat sinon. Que, ouais, j'accepte aussi non. Rappelle-toi. Rappelle-toi, multiplie tes pensées par 10, 100. Que je veux fermer ici, je veux arrêter ça, je veux couper ici, là. Non, ma chérie. Qu'est-ce que je peux faire pour vendre encore plus? Qu'est-ce qu'elle peut faire? La voiture, là, il me faut deux voitures maintenant. Il me faut deux. Pour payer les deux voitures, là, la prochaine voiture doit être plus chère que celle que j'ai. Pas le genre que tu achètes, il dit, oh, maman, tu atteins à ton plafond. Ouais, c'est fini. Tu atteins ton plafond. Voilà. Ma chérie. Après la voiture, là, il y a quelqu'un. Qu'est-ce qui est au-dessus? Qu'est-ce qui est au-dessus? Écrivez ici dans le direct. Vous avez les amis avec qui vous ne devez même plus causer. Vos ralentisseurs, là. Que, ouais, pourquoi tu veux acheter la chaussure de 20 000? Prends même pour 5 000, non? Pourquoi tu veux faire ceci? Prends même pour. Que, pourquoi tu veux aller vendre dans tel endroit? Diminue même, non? J'étais en train de faire mes consultations. J'ai dit que, ok, avant de commencer, il faut que je vienne vous donner d'abord. Je vous donne d'abord le café si tu sois. Écoutez, tu vas rester même dans le rêve. Dieu va te mettre dans le jet. On dit bienvenue à bord de votre jet, madame. Tu vas te réveiller comme ça. Yay! Parce qu'il n'y a que dans le rêve que Dieu peut percer pour te monter le jet. Tellement que tu te vois petite. Que s'il dit à l'homme, c'est que je veux le jet. Hey, il va dire que tu n'as même pas encore la voiture, tu te vois avec le jet. Regarde-toi. La foi, c'est la ferme assurance de ce que je n'ai pas vu. Mais j'espère et je sais que ça va se passer. Laissez. Laissez. Écoutez, prévoyez votre argent. Je lance mon séminaire, même si je dis que c'est 150 000. Payez mon ticket, vous venez. Parce que les choses que vous allez voir dans les séminaires là, hein, tu vas sortir là où ça là. Tes idées vont se rechambouler. Combien de fois tu as porté tes 500 000, tu as donné un nom? Après, il va se tromper. Il t'est parti te tromper avec quelqu'un. Ouais, j'avais espoir en toi. J'avais foi en toi. Nya, 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 nya. Levez-vous, pardon. Levez-vous. By fire, by fire. Là, là, la Duster. Oui. Duster. Je voulais la Mercedes. Voilà, c'est la Cayenne. Après, mets le Range Rover dessus. Oui. Mon paquet actuellement est petit. Donc. Ah. Moi, ça m'a géré que comme ça. Je vais l'agir. Je vous salue. Et je vous souhaite beaucoup de paix. Bonne soirée. Peut-être va encore faire le dire avant de dormir. Peut-être. Mettez à main les notifications. Toi, tu veux Range Rover 2023.
en juin 2022. Yeah, caviar de luxe, tombe là. Je m'entends avec toi. Tu as compris, non? J'accorde ma foi avec toi. Voilà. Bah, les voitures qui sortent, alors la toundra. Quoi encore? Ne sortez pas seulement une voiture. Mettez trois. Tu fais un, deux. Quand tu es sur la deuxième, tu passes à la quatrième voiture. Parce que tu dois avancer. Voilà. Je bénis ce que vous venez de voir. Vous êtes suivi, non? Je bénis ce que vous venez de voir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, 8 voitures, c'est ça même.